tout le monde. Alors, je vais vous faire un mini haul AliExpress. Parce que j'ai reçu mes commandes. À part un truc que j'ai pas reçu. Bon, alors, je sais pas en quoi il vient. En stop. Donc, c'est un mini haul. J'ai pas pris grand chose. Longtemps que j'avais pas commandé sur AliExpress. Donc. Alors j'avais une moulinette, vous savez les petites moulinettes où on tire la ficelle là, quand vous voulez juste couper, je sais pas moi, moudre de l'ail ou et bah, comme une idiote que je suis, j'appuyais comme une dingue dessus. Et donc j'ai trouvé cette mini moulinette. Il n'y a pas besoin qu'elle soit grande, hein, c'est juste quand on a vraiment des petits trucs. AliExpress, bon, je l'imaginais quand même un petit peu plus grand. Alors, elle est rechargeable. Vous voyez, elle est toute petite comme ça. L'avantage, c'est que comme elle est rechargeable, donc je me suis dit, je vais éviter de parce que j'en ai déjà bousillé deux, une avec une ficelle et une où on tire comme ça. J'ai fini par je sais pas comment la casser. Donc celle-là, je l'ai payée, alors c'est ce que j'ai payé le plus cher dans ma commande, 10,21 €. Mais franchement, j'en avais besoin. Ensuite, j'ai reçu... Alors, je ne l'ai pas déballé parce que je ne vais pas en mettre partout. Mais je vais vous le montrer via mon ordinateur. C'est un diamond painting de Groot, bébé Groot. Mais je le trouvais trop joli, vous voyez ? Il est trop kiki. Donc, lui, je l'ai payé 7,03 €. Je ne vais pas le faire tout de suite, bien sûr. C'est clair. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai pris un truc, mais il est dans mon sac. Donc, je reviens. Je vais le chercher. Alors, j'ai pris un porte-carte Marie. Alors, il y en avait d'autres. Alors, j'ai mis toutes mes cartes de magasin parce que j'en ai un paquet. Vous voyez. Donc, lui, je l'ai payé 4,60 €. Mais il y avait différents modèles. Mais franchement, il est trop beau. Ensuite, j'ai pris deux patchs pour mettre sur un... Alors moi je voudrais le mettre sur un blouson en jean. Il faut que je m'achète un blouson en jean. Ou une veste en jean. Je voulais essayer parce que je voulais voir ce que ça donnait. J'en ai pris deux. Mais j'ai pris la bonne dimension. J'ai pris 20/30, je crois. Alors ils sont magnifiques par contre. Je les trouve très beaux. Donc c'est Harry Potter bien sûr. Donc il y a celui-là. Et il y a Hermione. Je pense que j'en commanderai d'autres. Donc ça collait avec le fer, vous savez. Donc ça, c'était... C'est bien l'air, non ? C'était 2,12 € le patch. Et le dernier truc, eh ben, que je n'ai malheureusement pas reçu et que j'attends. Alors je vais vous montrer en vidéo. Donc c'est ça. Vous voyez ? C'est pour les frigos en fait. Vous savez, dans le petit trou qu'on a au niveau du frigideur, on a toujours un petit trou. Et moi, à chaque fois, bah, l'eau coule de là, quoi. Donc, c'est très agaçant. Et j'ai vu ça. En fait, on met le tuyau dedans. On aspire de l'eau. Et je vais essayer avec mon frigidaire. On envoie de l'eau et on respire. Et en fait, on enlève toute la crasse. On fait plusieurs fois. Donc, moi, j'ai souvent de l'eau dans mon frigo quand il est en mode décongélation qui part de là. Donc, 49 centimes, franchement, l'ensemble. Hein. Donc, l'ensemble, c'est bah, c'est ça, quoi. Vous avez la seringue, la petite spatule,
le tuyau. Ouais, il y a un mélange de plusieurs trucs. Donc, je me suis dit, ça va peut-être éviter. Oh, désolé, que ça déborde partout. Parce qu'à chaque fois, mon frigo, quand il se met en décongélation, en fait, et je dis pas mon congélateur, hein, je dis bien mon frigidaire, il y a de l'eau partout en dessous. Donc c'est peut-être parce que c'est bouché, mais comme on ne peut pas avoir accès à cette partie-là, je me suis dit, je vais essayer ça, peut-être que ça serait bien. Et puis à 49 centimes, franchement, pourquoi s'en priver? Donc vous voyez, j'ai parlé. Voilà, donc vous voyez, c'était une mini commande, mais ça faisait super longtemps que je n'avais pas commandé sur AliExpress. Donc, alors regardez pas ma tête parce que je viens de me lever. Et puis, ben voilà pour mes hauls. Donc, mon haul Shein avant et mon haul AliExpress là. Donc, je vous laisse et puis je vous dis bye bye pour prochaine vidéo. Salut! Salut tout le monde! Alors, on est le 2 octobre. Je fais un mini haul action parce que j'ai été la semaine dernière avec ma fille. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Alors, j'en avais pour 60. Alors, attendez que je dis pas. 65,96 €. Donc, les parfums que je vais vous montrer, je les ai pris en deux fois, puisqu'il y en a un pour ma fille, un pour moi. Donc, on a pris celui-là, parce que ceux qu'il y avait eu avant, on avait ramé pour les trouver. On a mis des semaines avant de pouvoir en trouver, parce que c'est parti comme des flèches. Alors là, quand je les ai vus, enfin, ma fille les a vus, je dis on les prend tout de suite, parce que sinon, on ne va pas les trouver. Donc, j'en ai deux comme ça. J'en ai deux El Camuto, un pour moi, un pour ma fille. J'en ai deux La Reine des Neiges. J'en ai deux Bambi. J'ai aussi deux palettes comme ça. Les palettes qui s'ouvrent comme ça, là, les nouvelles. Donc, normalement, souvent trois. Donc voilà, il y a une nouvelle qui vient de sortir et il y a encore une nouvelle qu'on a vue sur Facebook qui vient de sortir aussi. Donc nous, on n'a toujours pas la bleue et la toute nouvelle, on n'est pas prêt de la voir. Donc on en a pris deux aussi. Ma fille, elle a pris ça pour son futur appartement, pour noter ses rendez-vous. Et puis on a pris deux cache-sapins comme ça parce que l'année dernière, j'en voulais des blancs, un blanc comme celui-là. Mais les blancs sont partis à une vitesse fulgurante. Alors j'ai dit à ma fille, on les prend direct parce que sinon. Et j'ai pris des petits comme ça. J'ai pas trouvé les autres. Il faut que je les trouve. Donc voilà. Alors les cache-sapins, il y en a deux. Un pour moi, un pour ma fille. Parce que cette année, moi j'ai un sapin d'1,80 m. J'aimerais bien acheter un sapin de 2,50 m blanc. Parce que moi j'aime que les sapins blancs. En faux. Hein. Mais le problème, c'est que je vais être obligée de le commander sur Internet parce qu'on ne trouve pas en magasin. J'arrive pas, c'est que des verres à chaque fois. Et moi, j'aime pas, je suis pas une fanade des sapins verts. Donc voilà, donc je vous ai dit, c'était un petit haul. Mais de toute façon, on va y retourner. Voilà. Donc je referai d'autres hauls après ça, sûrement. Ou dans d'autres vidéos, je ne sais pas encore. Donc parce que là j'ai eu un laps de temps, mais je vous dis, alors pour le maquillage, vous devez vous dire pourquoi elle achète du maquillage puisqu'elle se maquille pas. C'est pas que je me maquille pas, enfin, c'est que j'ai pas le temps. Ce matin, je me suis levée, j'ai déjeuné, mon fils me suivait à 6 h 30, mon fils partait ben, aller pour le taxi. Donc le premier jour, j'aime bien surveiller qui prend bien. Et après, on va déjeuner, je me fais ma toilette, je me suis habillée, puis après, on est parti avec ma fille, vite fait, chercher la grande cuisine qu'ils ont reçue à Lidl. En fait, elle était à 100, 140 €, je crois, un truc comme ça. En magasin, elle avait une réduction, elle passait à 99 €. La cuisine en bois, là, mais elle est vraiment complète. Il y a la machine, fausse machine à laver, tout ça, mais il y a. Et enfin, bref. Et si on avait l'application du téléphone Action, elle passait à 84 € et des brouettes. Donc on a été la chercher.
Et au final, normalement, il devait la recevoir aujourd'hui, hein, le 2. Au final, c'était la dernière en magasin. Je dis, mais comment, il n'y en avait plus qu'une. Et la fille me dit, bah ouais, on les a reçus hier, on les a mis. Je fais, hier, c'était dimanche. Elle me fait, ouais, mais on est ouvert le dimanche matin. En fait, nous, on a deux Lidl. J'en ai un à côté de chez moi qui n'est pas ouvert le dimanche. Et j'en ai un à l'autre bout de la ville qui est ouvert le dimanche. Mais après, c'est ça le problème, c'est que quand il y a des arrivages, nous on se fie à la date, c'était marqué le 2, donc on va le 2. Et au final, le moins 2, ben, ma fille n'en avait pas parce qu'ils ont tout vendu hier. Puisque je vous dis, c'était la dernière qu'on a pris. Donc si c'est marqué le 2, mettez-les le jour de l'arrivage. Hein, parce que c'est bien gentil, mais en attendant, les gens qui se fient à... qui se fie à la date inscrite, et ben ils l'ont dans le baba, quoi, parce que quand ils y vont, il n'y a plus rien. Donc, mais ça valait le coup. Alors, c'est pour ouais, l'anniversaire de mon petit-fils. Donc, par contre, on va pas la monter ici. Elle va la monter chez elle maintenant qu'elle a un appart, parce que elle est très grande. Donc, voilà, parce que nous, on fait pas de différence. Hein. La dernière fois, on lui a acheté une poussette pour qu'il traîne sa pluche dedans, parce qu'il voulait traîner sa petite soeur dans la poussette. Donc on s'est dit, ben autant lui prendre une petite poussette, comme ça il va traîner. Il a une poupée aussi, alors nous on ne fait pas de différence. Hein. Gars ou fille, moi je vois ma fille quand elle était petite, à son premier Noël, elle avait autant de poupées qu'elle avait de voitures et de camions et tout ça. Donc s'il veut une poussette, on lui prend une poussette. Là c'est une cuisinière. Elle lui a pris plein de trucs aussi qu'il y avait à Action, là, vous savez, le grille-pain, le mixeur et tout. Il reste à prendre l'aspirateur et d'autres trucs encore qu'elle a vu. Donc, mais je lui dis, ben, tout ça, ça sera pour chez toi parce qu'il n'y a déjà plus de place à la maison. Donc voilà pour mon petit haul. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous retrouve pour un prochain haul. C'est vrai que je parle vite, mais j'ai tellement de trucs à faire et le temps passe tellement vite. Donc voilà, je vous laisse et je vous retrouve pour d'autres hauls sûrement. Parce que j'ai fait une commande Chine. Et voilà. Et puis j'aurai mon haul course. À plus.